Hey yo les gens, c'est Draxio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle saison sur Fortnite. Alors aujourd'hui, petite vidéo dessus. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis le casque parce que pour faire top 1 c'est quand même assez compliqué. Je vais vous expliquer moi mon point de vue de cette saison. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos et de live fait dessus, mais moi je vais vous parler de mon point de vue sur la saison. On va voir un peu le pass de combat et un peu ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Donc normalement à partir de là, normalement tout devrait être bon. Donc j'ai pris bien sûr le pass de combat pour 950 V-Bucks. Moi je prends pas je ne prends pas les 1000 V-Bucks. Alors cam 1 épisode 2, donc ça devrait être bon. Donc petite chose à savoir, c'est que pour cette saison, donc normalement comme vous le voyez, j'ai le Spider-Man noir. Alors bien sûr j'ai le pass de combat comme je vous l'ai dit, mais donc on va voir un peu ce pass de combat. Donc nous avons le méchant de la saison dernière qui était apparu dans le volcan, donc notre cher Blondinet. Nous avons une japonaise avec des cheveux longs, plutôt bien stylée je trouve, avec plusieurs petites tenues comme avec notre petit Blondinet. Nous avons une rookine qui doit être Amazon, parce que je pense une Amazon ou une cyber, une cyber, parce que clairement je sais pas du tout. Donc voilà, nous avons une artilleuse, hein, vu le nombre de balles qu'il y a sur elle, je pense que voilà, je pense que son skin l'indique comme il le doit. Nous avons, donc ça doit être un autre skin. Tsuka. Ah non, c'est la même skin, sauf que c'est pas le même machin. Nous avons ça, ok. Il y a plein de variants. Nous avons lui qui... l'origine, donc... un peu le frère de notre cher The Rock. Il peut se transformer comme ceci, donc... autant que je vous montre cinématique. Voilà, donc une chaîne brisée, donc plutôt sympa. Nous avons un autre skin, Irissa, Blue Curl, donc plutôt pas mal, un peu animé, ça fait plutôt sympa. Et nous avons notre cher Doctor Strange, donc je pense que ça c'est pour... le petit clin d'œil, un peu comme Spider-Man qu'on avait eu dans la dernière saison, qui va sortir normalement fin d'année, je crois. C'est ça, Doctor Strange 2, c'est plus trop. Donc plutôt sympa, et le Rodeur qui est donc de la série Marvel, que je ne savais pas. Alors pour ceux et celles qui savent d'où il sort, de quel méchant c'est, parce qu'apparemment il a l'air méchant, je sais pas du tout. Mais pas du tout d'où il peut sortir celui-là. Donc dites-moi en commentaire si vous le savez. Et puis ben voilà. Donc avec un planeur qui a l'air plutôt sympa. On dirait un peu un planeur du bouffon vert. Qui est plutôt... Ah non, sauf que là il y a des poignées en dessous. Donc non, même pas. Et une pioche avec des griffes qui est plutôt sympa. On dirait plutôt un double piochon un peu à la Tomb Raider. Qui est fixé en... Ouais. Plutôt pas mal. Et Daily Bugle. Donc ça doit être un méchant de Spider-Man. Ça doit être un méchant de Spider-Man. Parce que... Alors après, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il me dit rien du tout, le Rodeur. Alors est-ce qu'ils ont pris le même nom? Donc voilà. Avec, donc bien sûr, les cartes. Donc moi j'ai quelques machins. Alors bien sûr... voilà, il y a pas mal de petites choses avec des couleurs différentes et des sons différents. Ça c'est plutôt cool. C'est vrai que des sons, c'est vrai qu'ils pourraient en mettre pour nos armes. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a toujours les quêtes secondaires, on va dire.
Alors, propulser avec un canon, parcourir de la distance à la natation et collecter des lucioles. Bon, bah, ça, c'est pas trop difficile, j'ai envie de vous dire. Bah là, j'ai fini quand même les quêtes principales donc, de la saison. Donc, qui était plutôt sympa. Moi, je trouve que les mettre un par un, ça nous oblige à les faire un par un et à chercher un peu plus parce que c'est vrai que. Quand il y en a plusieurs, ben, on sait pas trop où donner de la tête. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc la map a changé. Ah merde, c'est moi qui me trompais de stick. Donc on a les zones bleues pour les gentils. Nous avons les zones rouges pour les méchants. Donc comme vous le voyez, il y a quand même plus de zones rouges. Donc qui fait un bon détour quand même. Et voilà. Donc la collection après vous avez tous les personnages. Donc il y a quand même pas mal de personnages. Il y a pas mal de personnages. On a Sloan qui est revenu. On a toujours la fondation qui est toujours là. Nous avons toujours le scientifique qui est toujours là. Nous avons l'origine qui est à côté donc de la fondation. Et j'ai pas trouvé le reste. Et pour le moment, j'ai pas encore pêché. Donc voilà. Il y en a certains qui sont planqués bien correctement. Et puis d'autres, ben, faut les chercher. Et je vois qu'il y en a quand même pas mal qui ont trouvé. Il y en a un qui a trouvé quand même 18 personnages. Voilà. Alors moi, je ne joue pas avec les skins de la saison. Pourquoi? Parce que ben, je les trouve pas si bien que ça. Donc voilà. Donc on va se lancer pour une solo. On va se lancer pour une solo et c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, attendez, parce que il se bug. Ça bug beaucoup, je trouve. Alors, attendez, je relance le. Hop. Je comprends pas pourquoi là. C'est peut-être parce qu'il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Reprise. Voilà. Donc ouais, il fait sacrément chaud. J'espère que vous, pour ceux qui sont en cours. Bon là c'était le week-end, donc je tourne un peu en avance. Mais c'est vrai que voilà. Donc on va me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas un autre skin Spider-Man? Alors bien sûr j'ai d'autres skins qui me plaisent. Avec un autre skin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça bug à chaque fois vers média, donc va falloir que j'arrive à trouver un moyen de faire quand même des qualités un peu mieux parce que ça commence à me gonfler. Surtout que là, cette semaine, normalement, vous aurez des lives sur Twitch si tout va bien. Et puis, par contre, ce petit système, alors bien sûr, on peut plus construire. Donc, on a bien sûr des. On peut faire des cascades, ça c'est cool. Ça c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait être plus sympa. Surtout que la glissade a été rajoutée, comme elle était rajoutée, ça a été plutôt très cool, je trouve. Bien sûr, en train de me tirer dessus déjà. Yeah.
J'attendais qu'elle prenne l'arme. Alors je ne fais pas comme certains, moi je sais que... Là elle m'a regardé en mode... attends, j'ai pas d'arme. Mais il y en a certains, je me prive pas parce que... Ils le méritent. Sert strictement à rien. Tiens, dites-moi pour ceux qui... alors, dites-moi en commentaire ceux qui jouent fidèlement à Fortnite sans se casser le cul, clairement, parce que bon, clairement, c'est une saison qui est un peu particulière où on ne peut pas construire. Moi je trouve que c'est plutôt cool, mais c'est vrai qu'il y a... ça manque un peu de piment. Peut-être qu'il manquerait pas de piment quand tu tombes sur un char. Dites-moi en commentaire ceux qui jouent char, vraiment char, hein. Ceux qui campent mou dans un char ou quoi que ce soit, parce que je... c'est vrai que... Alors moi je vous le dis pas assez, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, parce que c'est ce qui fait le charme d'une chaîne, hein. Quand vous mettez des commentaires, quand vous écrivez quelque chose, dites-moi en commentaire si vous voulez jouer avec moi ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà dit, je fais pas que du jeu avec des amis, je joue souvent en solo, donc en ce moment c'est souvent du solo, surtout que je rejoue sur du Assassin's Creed Odyssey. Je refais pas mal de jeux qui me plaisent à mon point de vue sur pour moi. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, je pense que je préfère jouer à d'autres jeux. J'aurais bien trouvé une... Ça c'est cool quand même de pas pouvoir construire, c'est plutôt sympa parce qu'au moins ça vous dit, ça ne n'indique pas que vous êtes passé en fait, parce que bon, quand je vois certains qui construisaient, au moins ça dégueulasse pas le champ. Après je sais qu'il y en a certains, je sais qu'il y a certains youtubeurs ont fait des vidéos en se moquant un peu des personnes, ça c'est pas très cool quand même, construisent tout le temps. Moi je, c'est vrai que c'est très chiant quand on tombe sur quelqu'un qui build sans putain une poupou shiny. C'est beaucoup en poule, pardon. c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors bien sûr, il n'y a plus de joueurs. Ça quand même, le sprint et puis la glissade, c'est un truc qui devrait garder pour les prochaines saisons, parce que clairement c'est un des trucs qui est vraiment très très sympa, qui devrait un minimum garder sur le jeu. Clairement, ce système
c'est tout droit. Par contre, je pensais trouver un peu plus de joueurs. Pour le moment, on n'entend pas de char, c'est déjà plutôt pas mal. On va voir si le char a disparu sur celui-là. Je le vois pas là. J'ai un peu peur qu'il y en ait qui... Le char est en déplacement. Je crois bien. Ouais, c'est pas ce que je me disais. Mais je pense que c'est plus des bots. Non, c'est des joueurs. C'est des joueurs. Ça, c'est des joueurs. Parce que vu de la façon dont ils ont dégagé les constructions, ce sont des joueurs. Et ça, c'est dommage. Voilà, encore une game où je vais faire au minimum top 10. Parce que c'est pareil, j'avais fait un beau top ce matin, c'est dommage, mais bon, j'ai pas filmé non plus, je filme pas tout le temps dans le jeu parce que... Je pense que ça a été nettoyé parce qu'il n'y avait personne. À part si c'était des bots, parce que c'est vrai que j'ai pas vu les points, mais c'est un peu short. Si je vois un char, ça va être... Vous allez voir me voir jouer quand, mais je suis obligé de faire top 1 sur cette saison. C'est très très compliqué. J'ai entendu tirer, mais je vois pas. Transpire d'un, putain! Je stresse! C'est n'importe quoi! Sur le pic du mont Chips. Bah ils ont détruit la statue. Ça leur dérangeait à Sloan d'avoir une belle statue. C'est jalouse.
pas de char. On est plus que 7. Je crois pas qu'il y ait de char parce que j'entends pas de tir à propre. Au milieu, faut personne d'autre, c'est ouf. Ah, ça tire dans le village. Un sniper a été pas mal, mais bon, je pense pas qu'il y ait des mondes derrière moi. Parce que je l'aurais vu, je l'aurais entendu, et je pense pas qu'il y ait de snipe. Je pense pas qu'il y ait de, char parce que le char en temps normal. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Dans la zone. Il y a un bus. Oh, cette fin de zone.
très bien que t'as... Vache, et les couronnes existent toujours, d'accord. Ok. Wow, top 1. Enfin, j'ai fait mon top 1. Wow. Ouais, parce que c'est mon premier top 1 de la saison, hein, bien sûr. Donc je voulais honorer ça en vidéo. Parce que sur le reste, je ne pense pas que je ferai pas de top 1 parce que clairement beaucoup de personnes jouent char, même en Ford en point, pour vous dire. Les joueurs qui jouent en Ford en point vont chercher des chars, hein, bien sûr. Donc c'est pour bien dire que les gens ont peur sans leur construction, même si en Ford en point on a quand même les construits. Donc, je croyais que j'avais déjà fait top 1 moi. Mais bon, ok, donc un parapluie Gunnar. Donc ouais, bon, parapluie top 1. Pour ceux qui l'appellent. Donc plutôt pas mal, je trouve, le parapluie. Le parapluie. Donc voyons voir ce que j'ai. Ok, donc j'ai fait 3 trucs en une game là. Sur le chemin de la guerre, au sommet de la boucle. Et maintenant... Ah bah oui, je l'ai tué en hauteur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, alors, attendez. On va débloquer un truc. J'ai 6 machins. Je vais prendre les V-Bucks. Et en temps normal, soit je choisis donc Spider-Man, soit donc notre cher The Rock, ou je prends Elle, avec qui je joue beaucoup. Et le Ghost Rider, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Ghost Rider, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce retour sur Fortnite. Moi j'étais plutôt content, alors clairement j'ai transpiré, hein. Clairement là, je pensais pas faire top 1. Au minimum top 10, c'est ce que je fais entre top... Allez attendez, on va regarder ça. Profil. Non, rediffusion. Donc les rediffusions qui sont... Alors ce matin j'ai joué 2 games je crois, 2 à 3 games. Une rediffusion était corrompue, a été ajoutée, effectuée. Bon, ben, je sais pas si ça a été mis. Aujourd'hui j'ai joué 4 fois. Donc depuis ce matin, donc j'ai fait top 4 dans les premiers temps, j'ai fait top 12 dans ce second temps, j'ai fait top 7 sur le troisième temps et le top 1 avec vous, donc avec 11 kills, donc je suis plutôt content et je tourne entre 3, 7, ouais, je trouve que je tourne quand même entre 5 à 6 kills en game, donc je suis plutôt content. Ça va, c'est plutôt cool. Et mon top 1 de la saison, donc il me restera plus que le top 1 en saison 1 avec le duo, le trio et le section. Mais clairement, une fois que vous avez fait top 1 sur cette section, je pense que le mieux c'est de vous amuser, de vous éclater sur Fortnite. Parce que clairement, Fortnite, on le remarque, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes, moi qui joue. Et qui achète beaucoup le pass de combat, parce que clairement, vous n'allez pas me faire croire que pour beaucoup, vous ne l'achetez pas complet et qu'après, vous attendez pas quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là c'est vrai que c'est cool. Donc c'est vrai que, à voir pour la prochaine saison. Apparemment, il y aurait eu... moi, sur Insta, j'ai eu quelques petits trucs sur Fortnite, dont le Seigneur du Temps. Donc, pour ceux qui suivent un peu Doctor Who et puis tout ça, il y aurait la citadelle de Docteur qui viendrait et quelques Seigneurs du Temps qui arriveraient dessus.
À voir, bien sûr. Je pense que si j'arrive à retrouver les publications, je les mettrai. Mais ça m'étonnerait. Ça fait quand même depuis mercredi que j'avais vu ça. Donc si j'arrive à retrouver ça, je vous les mettrai là en image. Ou sinon, à voir. De toute façon, il y a tellement de choses qui ont été dites par certains youtubeurs comme Naruto qui avait son pass de combat et que tout compte fait, on a juste eu les skins qui coûtaient plus cher que voilà. Ça, c'est un peu dommage parce que clairement, ils pourraient faire un pass de combat avec Naruto. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on tourne que avec Marvel. Hein, comme vous le voyez, depuis une certaine saison, on a eu Marvel, on a eu quelques DC, donc Superman, on a eu Batman. Bon, ça, Batman, il était de côté. Mais au niveau Marvel, on a vraiment eu que Superman. Et au niveau des skins secondaires, bah, sinon au niveau des skins qui étaient dans les passes de combat, on a eu la saison Avengers, donc où ça a été que Marvel. On a depuis un petit moment maintenant, on a que du Marvel sur les fins de skins. Donc on a eu Spider-Man sur la saison dernière. On a Doctor Strange qui arrive. Et qu'est-ce qui nous prépare pour la saison prochaine? Donc à voir, surtout que là, cette saison, je trouve qu'elle va être assez rapide, parce que comme vous l'avez remarqué, je pense que l'XP est quand même bien chargé, je pense. Moi, je pense entre 3 à 4 niveaux par jour, au minimum. Pour ceux qui t'as vraiment le truc, je pense qu'ils doivent passer au minimum 10 niveaux quand vous faites des défis quotidiens. Clairement, je pense que vous avez au minimum... bénéfice de la chose. Donc alors attendez, je vais juste couper l'enregistrement de là, je coupe Fortnite. Donc là normalement vous avez en plein écran. Voilà, vous aurez je pense, dites-moi en commentaire, je pense, ce que vous pensez de la saison. Ce que vous pensez de la prochaine saison, si vous avez déjà une idée ou quoi que ce soit. Et puis, moi, je reviens en live sur Twitch, je pense, cette semaine. Pour, donc, normalement, ça, la vidéo, elle sort mardi. Donc, normalement, lundi, vous avez eu un live, si tout va bien, donc sur un jeu. Je ne sais pas quel jeu pour le moment, mais je pense que vous aurez un jeu aléatoire, comme d'habitude. On va dire. Et voilà. Passez une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui... Voilà. Pour ceux qui sont en cours, je vous souhaite une bonne chance pour ceux qui sont en cours. Surtout qu'il fait bon en ce moment. C'est un peu dommage d'être enfermé. Surtout avec les masques. Hein. Moi, clairement, déjà que pour certaines choses, comme être dans le bus ou dans le tram, c'est quand même très très chiant d'avoir le masque. Et voilà, il faut quand même le mettre. Faites quand même attention à vous, quand même. Il y a quand même quelques cas qui ont été déclarés comme Covid, mais je pense que pour ceux et celles qui toussent et puis qui ont un rhume, vous cassez pas trop le cul. Hein. Mouchez-vous, restez chez vous. N'hésitez pas à rester chez vous et puis faites le nécessaire pour que les gens ne chopent pas un rhume ou quoi que ce soit, parce que ben. Pour beaucoup, je pense qu'il y en a qui font passer ça pour Covid. Et puis en fait, vous avez juste un rhume. Moi, le matin, j'éternue, je tousse. Et la journée, j'ai plus rien, quoi. Clairement, on va pas me dire, bah, vous avez juste le Covid le matin. Ça serait complètement débile. Parce que clairement, qu'on me dirait, bah monsieur Dormois, vous avez le Covid le matin. Oh bah oui. Bah. Bon, allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée. C'était Drac. Et à la prochaine. C'était Drac Survie. Peace.